confiance. Ça va être confiance de son côté, du côté du responsable, mais confiance aussi du côté des clients. Déjà, peut-être le respect. Voilà, on est une association, l'adhérent adhère chez nous. Il y a un respect vis-à-vis de cet adhérent, vis-à-vis de son métier, vis-à-vis de ses valeurs. On n'est pas que le comptable ou l'expert comptable, il y a aussi d'autres personnes autour de nous qui sont là pour nous aider. Ou même des informaticiens, c'est bête, mais parfois, quand on a un bug informatique, ben, ils sont là. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu connaître, je dirais que l'aspect travail en équipe est d'autant plus riche. Et du coup, le travail interne important auprès d'un client, c'est vrai qu'en interne, pour accompagner un client, on peut vite mobiliser 3, 4 personnes. Le modèle m'a plu en fait, le modèle associatif. Que ce soit pas une multinationale ou une entreprise où, voilà, où tu réponds à des exigences de dividendes, d'actionnaires, de tout ce vocabulaire-là qui me plaît pas trop. Et qu'on fasse ça vraiment, voilà, pour l'adhérent et par l'adhérent, moi ça me parlait en fait. L'association, ça me parle et j'avais vraiment envie, voilà, de poursuivre là-dedans, et Serfrance m'a offert cette opportunité en fait. J'étais en cabinet libéral. On est souvent livré à soi-même dans les cabinets. On doit se débrouiller. On n'a pas forcément de communication avec la direction ou avec... d'échanges avec d'autres collaborateurs plus expérimentés. Et la vraie différence que j'ai pu constater sur le terrain, c'est en intégrant Serfrance, c'est cet accompagnement, ce partage des connaissances et cet aspect collaboratif. Je sens que si demain j'ai envie de m'orienter, de monter en gamme, entre guillemets, d'évoluer, Serfrance va m'accompagner, ma direction va m'accompagner et va tout mettre en œuvre au niveau humain, financier, matériel pour que j'arrive à atteindre cet objectif. Mon diplôme. Aujourd'hui, je suis devenu expert comptable. J'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir poursuivre sur le diplôme d'expertise comptable. Aujourd'hui, j'en suis là parce qu'on m'a mis les moyens pour aller jusqu'au bout. C'est quand même top. Un client content. Oui, merci, avec un sourire et un regard franc. C'est tout ce qu'il me faut, en fait. Je dirais qu'il faut être rigoureux. Aimer le relationnel. Enfin, chaque collaborateur au sein de Serfrance doit être effectivement à l'écoute, savoir détecter le besoin et savoir ensuite enclencher l'action auprès de nos chefs d'entreprise. Ouais. Je pense que pour rejoindre une association, il faut déjà comprendre et accepter ses valeurs. Et à partir de là, il faut pas hésiter. Il faut y aller.